sur toutes les éditions précédentes au poids, hein, puisqu'il fait 916 pages. La raison de cette abondance, c'est que nous avons décidé, conformément à ce que préconisait d'ailleurs Jean Starobinski dans un article il y a une vingtaine d'années, et grâce aux apports technologiques modernes, nous avons décidé d'inclure la totalité des variantes et des enseignements des manuscrits disponibles de cette œuvre de Rousseau. Quels sont justement les manuscrits disponibles ? Eh bien, il y en a trois qui sont conservés à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, que vous avez sur cet écran, avec leur cote. Le manuscrit R78 se présente sous forme d'un petit carnet sur lequel sont rédigées les sept premières promenades, et c'est déjà un état second ou troisième de la rédaction, c'est-à-dire c'est assez propre, vous allez le voir, et ça ne suscite guère de difficultés de lecture, il y a fort peu de ratures. Un deuxième manuscrit, également autographe de Rousseau, est le MSR 79, qui se trouve également à la Bibliothèque publique universitaire de Neuchâtel, et qui lui se présente sous forme de brouillon extrêmement raturé, à peine déchiffrable, à peine lisible, ont écrit les éditeurs précédents des rêveries, Marcel Raymond, John Spink ou Éric Levent. Et puis vous avez enfin le MSR 100 qui est une copie faite des deux manuscrits précédents pour l'édition posthume des rêveries qui va être donnée en 1782. Vous savez en effet que les rêveries sont rédigées entre la fin 1776 et 1778, année de la mort de Rousseau, mais qu'elles ne seront publiées que 4 ans plus tard, à Genève, en 1782, avec les 6 premiers livres des Confessions. Ce que nous vous proposons, Alain et moi, c'est d'ouvrir quelques pistes à partir de la lecture des manuscrits. Nous n'allons pas faire de grands discours théoriques ou philosophiques sur les rêveries, de manière assez restreinte, pour pouvoir vous permettre de lire les manuscrits, ce qui, vous allez voir, est assez croustillant. Et commençons, si vous voulez, par quelque chose d'assez simple. C'est un extrait de la première promenade, et nous irons, évidemment, en complexifiant un petit peu l'affaire. Voici l'extrait de la première promenade dont nous allons examiner le manuscrit. Je vous le lis rapidement. « Si, dans mes plus vieux jours, aux approches du départ, je reste, comme je l'espère, dans la même disposition où je suis, leur lecture, c'est-à-dire la lecture des promenades, me rappellera la douceur que je goûte à les écrire, et faisant renaître ainsi pour moi le temps passé, doublera, pour ainsi dire, mon existence. En dépit des hommes, je saurai goûter encore le charme de la société, et je vivrai décrépit avec moi dans un autre âge, comme je vivrai avec un moins vieux ami. » C'est donc le tout début des rêveries du promeneur solitaire, avec ici, vous le voyez, la première page du manuscrit « Les rêveries du promeneur solitaire ». Et Alain Poura, il a longuement disserté et de manière tout à fait convaincante, sur la manière dont Rousseau met un R minuscule à rêverie et un P et S majuscule à promeneur solitaire, alors que nous avons dans la tradition typographique contemporaine l'habitude de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on met toujours la majuscule au premier substantif, et les éditeurs indiquent en général les rêveries du promeneur solitaire avec un R majuscule. Alors, voici donc la toute première promenade. Me voici donc seul sur la terre, la première page, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même, le plus sociable et le plus aimant des humains, en a été prescrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux, etc., etc. Vous voyez, ce manuscrit est assez clair. Il est bien écrit, il est lisible. On pense donc que c'est un manuscrit qui n'est pas un manuscrit, ce n'est pas un brouillon, bien entendu. C'est déjà une copie. Alors, est-ce la première copie? Est-ce la deuxième copie? À quel état du manuscrit sommes-nous arrivés ici? On ne le sait pas vraiment. Quant au MSR 79, vous voyez, il se présente sous forme d'un cahier qui est un petit peu plus usagé. Enfin, la couverture en est un petit peu plus défraîchi, si je puis dire, et voilà un extrait de la 8e promenade. Là, c'est tout à fait différent, c'est quelque chose de beaucoup plus raturé, de beaucoup plus imprécis, avec ces pages de droite qui sont rédigées, les pages de gauche étant laissées libres pour d'éventuelles corrections.
La neuvième promenade est encore pire, hein, on est vraiment là avec deux fois neuf, vous voyez, neuf répétés à gauche, à droite, donc il faut se livrer à des supputations, à des hypothèses de lecture pour pouvoir permettre à tel texte qui commence à gauche de repartir à droite ou inversement, bref. Et puis, la dixième promenade qui est restée inachevée, vous le savez, celle qui parle de Madame de Varan, tient sur deux pages à la fin de ce cahier du MSR 79, et vous le voyez, il est fort raturé aussi, avec une écriture beaucoup moins lisible et beaucoup plus petite. Voici donc quelques éléments. Alors, maintenant, je vais commencer à lire et je vais passer la parole à Alain parce qu'il a très bien commenté ce passage, de la quatrième promenade, où vous allez voir qu'une rature de Rousseau va être proprement signifiante. Elle va nous donner un enseignement tout à fait intéressant. Il s'agit du passage chez la dame Vacassin. La quatrième promenade, vous vous en souvenez, c'est la promenade sur le mensonge. Et il se trouve que Rousseau raconte à la fin de cette promenade une anecdote qui est celle du repas fait chez la dame Vacassin. Il y a quelque temps que M. Fouquier m'engagea contre mon usage à aller avec ma femme dîner en manière de pique-nique avec lui et son ami Benoît chez la dame Vacassin, restauratrice, laquelle et ses deux filles dînèrent aussi avec nous. Au milieu du dîner, l'aînée qui est mariée et qui était grosse s'avisa de me demander brusquement et en me fixant si j'avais eu des enfants. Je répondis en rougissant jusqu'aux yeux que je n'avais pas eu ce bonheur. Non. Elle sourit malignement en regardant la compagnie. Tout cela n'était pas bien obscur, même pour moi. Il est clair d'abord que cette réponse n'est point celle que j'aurais voulu faire, quand même j'aurais eu l'intention d'en imposer, car dans la disposition où je voyais celle qui me faisait la question, j'étais bien sûr que ma négative ne changerait rien à son opinion sur ce point. On s'attendait à cette négative, on la provoquait même pour jouir du plaisir de m'avoir fait mentir, je n'étais pas assez bouché pour ne pas sentir cela. Deux minutes après, la réponse que j'aurais dû faire me vint d'elle-même, voilà une question peu discrète de la part d'une jeune femme à un homme qui a vieilli garçon. Donc ce passage, qui ne manque pas d'humour, est fortement raturé sur le manuscrit. Vous voyez d'abord qu'il y a de fortes ratures sur l'identité des gens qui ont dîné avec M. Fouquier. Ces ratures sont dues, nous l'avons montré, non pas à Rousseau lui-même, mais au secrétaire du marquis de Girardin ou à celui de Dupérou qui a recueilli le manuscrit et au moment de l'édition de 82. Mais je laisse Alain poursuivre l'étude de cette texte. Vas-y. Tu as travaillé tout aussi que moi. Alors, je le continue, donc. Ici, vous voyez que il y a quelque temps que M. Fouquier m'engagea contre mon usage à aller, et puis vous avez une variante, avec ma femme, vous voyez, dîner en manière de pique-nique, et le « avec ma femme » fait l'objet d'un surlignement. C'est quelque chose qui a été rajouté après coup, qui ne s'imposait donc pas au départ, qui a été rajouté après. On peut donc légitimement supposer que la présence de Thérèse, puisque nous sommes dans un état second au moins, peut-être même troisième ou quatrième du manuscrit, on peut donc supposer légitimement que la présence de Thérèse n'était pas signalée dans un état antérieur. Et même si elle l'était d'ailleurs, l'oubli furtif, le lapsus calami qu'il aurait fait en recopiant ce manuscrit serait en lui-même très révélateur. Alors la question est de savoir de quoi ce lapsus calami ou de quoi ce rajout est révélateur. Eh bien, nous avons lu l'anecdote et vous vous êtes rendu compte que la présence de Thérèse va d'abord aggraver l'accusation portée contre Rousseau. Il a abandonné ses enfants parce que Thérèse, si elle est présente, c'est quand même la mère des enfants qu'il a abandonnés, est un témoin à charge qui vient, par sa seule présence, témoigner contre Rousseau et qui vient donc compléter le réquisitoire de la jeune Vacassin. Ah, vous avez eu des enfants, mais tiens, il y a Thérèse qui est là, peut-être que... Bon, évidemment. Mais c'est également le schéma de la communication qui se trouve réellement perturbé. Parce que vous avez, forcément, si Thérèse est présente, une solidarité de fait qui se crée entre la mère en présence, celle qui est enceinte jusqu'au ventre, hein, d'ailleurs avais-tu réussi à lire sous une rature, à plein ventre plutôt, écrit Rousseau, et puis la mère en puissance, c'est-à-dire Thérèse qui a été frustrée de sa maternité.
penser alors de sa réplique ? Voilà une question peu discrète de la part d'une jeune femme à un homme qui a vieilli garçon. S'il dit cette réplique en présence de Thérèse, qu'il a précisément épousée, et qu'il appelle ma femme au début du texte. Vous voyez la contradiction. Il y a là quelque chose de tout à fait intéressant. Et ce genre de remords d'écriture fait donc sens. Et il serait dommage de le manquer, si vous voulez, dans une édition un peu rapide, en indiquant avec ma femme, sans rappeler que ce avec ma femme n'intervient qu'à la deuxième, voire troisième ou quatrième copie de cette promenade. Eh bien, c'est ce type d'enseignements auxquels nous nous sommes intéressés, sur lesquels nous nous sommes penchés. Il y en a d'autres qui sont tout à fait intéressants, mais alors le prochain, je te le laisse vraiment, parce que celui-là, je ne l'ai pas travaillé du tout. Il s'agit de la deuxième promenade. Alors, je lis juste le texte et je te laisse en sorte. On va le lire, je l'introduis un petit peu. Alors, introduis. Alors, vas-y, je te laisse introduire. Mais tu le liras. Voilà. Oh, c'est une vaste question, c'est une vaste question. Il ramassait des fleurs pour son herbier. Oui, il a ramassé des fleurs pour son herbier. Il a fait une promenade sur la botanique. La septième promenade est consacrée justement à la botanique. Donc, il a fait des kilomètres. Hein, depuis son plus jeune âge. Mais précisément... Ça va, non ? Ah, voyez ? Désolé. C'est pas grave. Non, rassurez-vous, rien de... Ne vous inquiétez pas, c'était prévu dans la mise en scène. Parce que cette promenade, en effet, à l'occasion de laquelle... Par contre, j'ai cassé une... C'est Rousseau botanisant. Voilà, alors j'ai brisé Rousseau botanisant, vous voyez, voilà, au moment où vous posiez la question. Alors attends, moi il faut que je me méfie. Cette deuxième promenade, dont vous avez un extrait ici, raconte une chute dont un des responsables était un gros chien, mais on a fait ça. La maison Rousseau n'a pas pu nous fournir de chien, mais François a parfaitement joué le rôle que j'attendais de lui, qu'on a répété longtemps, mais c'était parfait. Alors, soyons sérieux quand même. Je ne reviens pas sur ce que vous a dit François et les circonstances dans lesquelles on a retrouvé ces petits carnets de Rousseau après sa mort. C'est le marquis de Girardin, une fois après avoir découvert le corps de son hôte à Ermenonville mort le 2 juillet 1778. Il s'agit donc très exactement d'une œuvre posthume qui n'est pas d'ailleurs signée du nom de Rousseau, comme l'a bien dit François. On a ces deux cahiers et les rêveries du promeneur solitaire, comme si le nom de Rousseau se trouvait effacé, son prénom lui-même et son identité se trouvaient réduites à cette désignation, le promeneur solitaire, comme s'il n'en avait qu'un au monde et comme si ça le désignait lui dans sa singularité absolue. Quand je dis que c'est une œuvre posthume, on peut dire que c'est une œuvre posthume à un double titre. Le premier titre, c'est celui que je viens de rappeler. Le deuxième, c'est que, c'est la thèse que je soutiens, qu'on en a discuté, c'est une œuvre posthume parce que c'est une œuvre qui est écrite par un mort. Je vais m'expliquer. Rousseau est mort de sa belle mort, on peut même dire en odeur de sainteté, comme j'ai dit, le 2 juillet 1778. Mais il arrive au bout de son rouleau, au bout de sa course, vous le savez, persuadé qu'il est persécuté depuis
depuis la publication de ce texte qui a fait scandale ici à Genève, mais aussi dans toute l'Europe, la profession de foi du vicaire savoyard, où il ose finalement critiquer les religions révélées et mettre en cause à la fois l'Église catholique, les pasteurs protestants. Bien. Ça a été pour lui l'occasion d'un exil, etc. Et depuis ce moment-là, peu à peu, il a élaboré, non sans une certaine raison, cette idée qu'il était environné d'ennemis. Les premiers de ses ennemis étant ses anciens amis, ses plus chers amis, son alter ego Diderot, mais d'autres aussi, les philosophes modernes, comme il les désigne. Bon. Jusqu'à en arriver à cette idée que l'Europe entière s'était liguée contre lui pour, non pas tellement l'empêcher de s'exprimer, mais beaucoup plus grave pour lui, l'empêcher. Trafiquer ses publications, défigurer ses livres de telle sorte que, quand il serait mort, il vivrait dans la postérité, mais totalement défiguré. C'est-à-dire qu'il aurait une espèce d'éternité qui serait pour lui un enfer, et qui serait présenté comme un monstre aux yeux des générations futures. On pourrait développer beaucoup de choses. Là, ce texte écrit en 1776 pourrait être mis en regard, enfin, ces textes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, avec quelqu'un qui, lui, a développé de manière. On connaît particulièrement cette année, c'est le marquis de Sade. Bon. Il y a quelque chose dans la destinée de Rousseau qui pourrait, mais je n'entrerai pas du tout là-dedans, être comparé à celle des victimes ou des philosophes scélérats, par exemple, dans la Juliette de Sade. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Saint-Fond, pour ceux qui se sont risqués dans ce roman de Juliette ou les prospérités du vice, qui s'appelle Saint-Fond, et qui rage au fond de se dire, tellement il jouit de faire souffrir ses victimes, notamment des victimes du type de Justine, il les fait souffrir vraiment jusqu'à l'extrême, on ne comprend pas comment elles peuvent survivre à ces supplices, et puis il dit, il faut bien quand même à un moment qu'elles meurent, mais ça ne supporte pas la cessation de la souffrance chez ses victimes. Et lui qui se déclare totalement athée, incrédule, ne croyant pas au ciel, bien entendu, il est obligé d'y croire quand même un au-delà qui serait un enfer. Et pour jouir de savoir que ses victimes souffriront d'une éternité dans l'enfer, il les fait signer in articulo mortis, une sorte de pacte avec le diable, de sorte que quand elles meurent, il est sûr qu'elles vont en enfer et il peut se réjouir d'imaginer qu'elles souffrent éternellement. Il y a un petit peu ça chez Rousseau, comme si Sade, dans ses extrémités, avait donné à penser, dans son fantasme, le destin de Rousseau, et comme si Rousseau lui-même, dans son délire, parce qu'il y a des moments où il délire à propos de ce complot, avait en quelque sorte inventé Sade. Il y a une sorte de couple là qui mériterait d'être interrogé. Mais je laisse de côté les choses. Quand je dis que c'est un écrit posthume et qu'il est écrit par un mort, je vais m'en expliquer maintenant à partir d'une lecture d'un passage de cette deuxième promenade. Pour répondre à une question que vous posiez, oui. Les rêveries sont intitulées promenades, il y en a 10, et correspondent effectivement à des promenades de Rousseau. Il est revenu à Paris, il est environné de regards ennemis partout, et pour lui c'est un enfer, Paris. C'est un enfer présent. Il y a d'ailleurs une des rêveries qui est très, très amusante de ce point de vue-là. C'est le début de la sixième promenade
où il raconte une promenade, donc il sort de Paris, irrespirable pour lui, pour aller de l'autre côté des barrières qui enfermaient Paris à cette époque-là, dans la campagne, cueillir des fleurs, et il rentre chez lui à la fin de la journée, évidemment, désespéré d'avoir à retrouver ses ennemis. Eh bien, une de ces promenades, tout à fait passionnante à beaucoup d'autres égards, elle le conduit, dit-il, jusqu'à la barrière d'enfer, des apostrophes E-N-F-E-R. C'était le nom d'une des barrières qui, une sorte de frontière qu'on passait. Donc, il passe la barrière d'enfer pour se retrouver au paradis, en quelque sorte. Il le dit d'ailleurs, c'est le paradis hors de Paris. Et puis ensuite, il revient en enfer. Il y a donc une thématique de l'enfer, même au niveau des mots qui se trouvent dans le livre. Alors, pour aller vite, François vous lisait tout à l'heure le tout début de cette première promenade. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus d'amis, de frères, de prochains, de société que moi-même. C'est admirable cette phrase, vous voyez. Me voici donc seul. Il y a une série d'éliminations de tout ce qui peut constituer un rapport humain, mais sans autre société que moi-même. C'est-à-dire que finalement, avec cet autre lui-même, il constitue tous les rapports intersubjectifs possibles. Le frère, l'ami, le prochain, et puis la société. Il est à lui-même tout. Bon. Le texte continue en disant, bon, si je suis seul avec moi-même, on ne sait jamais s'il faut lire ce début de la première promenade d'un ton tragique ou avec une espèce de soupir de soulagement. Me voici donc seul. Bon, il a toujours rêvé d'être seul. Il a vécu des moments de solitude, d'extase, etc. Il y a une ambivalence dans ce « me voici donc seul ». En tout cas, là, dans ce qui suit, c'est plutôt une thématique tragique, qu'ils ont rompu avec moi tous les liens possibles, et je suis seul. Et à ce moment-là, il pose la question... Moi qui suis seul, il me reste une dernière question à poser. Que suis-je moi-même ? Bon, voilà où cette trajectoire de philosophe, parce que c'est un formidable philosophe, où cette trajectoire le conduit à l'extrême fin de sa vie, au bout du rouleau. Que suis-je moi ? Bon, c'est pas qui suis-je, ça pourrait être qui suis-je, mais... Ce n'est pas une question sur l'identité personnelle, l'identité d'état civil. C'est que suis-je, moi, qui reste seul dans un monde sans homme ? Dans une des promenades, en effet, il explique que, au fond, ces persécuteurs qui l'entourent, finalement, ce ne sont plus des hommes, ce sont des machines qui agissent mécaniquement, etc. Une sorte de vidage du monde extérieur qui est réduit à un peuple de machines, d'hommes-machines, comme chez Descartes. Alors cette question, que suis-je moi-même dans un monde sans hommes, vous voyez bien que c'est cette question, suis-je encore un homme? Parce que qu'est-ce qu'un homme dans un monde où il n'y a pas d'homme, si l'homme ne se définit en tant qu'homme, par sa différence avec l'animal, que par sa capacité de communiquer, notamment par le langage articulé, avec d'autres hommes. Peut-on être homme tout seul ? Bon. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'ensemble des méditations que constituent les promenades tournent autour de cette question : que suis-je ? Quelle est ma vérité finale ? Et s'il peut se poser cette question, c'est le paragraphe qui suit, que je pourrais vous lire et qui est très impressionnant, là, qui va nous introduire à ce thème du posthume. Tu m'interromps quand tu veux, François. C'est le
second paragraphe, hein, que suis-je moi-même, voilà ce qui me reste à chercher. Et dans le deuxième paragraphe, la position dans laquelle je suis me paraît encore un rêve, dit-il. Je m'imagine toujours qu'une indigestion me tourmente, que je dors d'un mauvais sommeil et que je vais me réveiller bien soulagé de ma peine en me retrouvant avec des amis. Oui, sans doute, il faut que j'aie fait, sans que je m'en aperçusse, un saut de la veille au sommeil, ou plutôt de la vie à la mort. Voilà où je suis. Évidemment, il y a une part de rhétorique, là, mais c'est quand même ce thème, que suis-je, et pour savoir que suis-je, où suis-je ? Je suis quelque part dans la mort. Bon, j'ai fait un saut et je me trouve dans la mort. Notre ami François est toujours vivant, mais ce saut qu'il fait, on le trouve précisément raconté dans la deuxième promenade. Et pourquoi ça m'intéresse ? C'est parce que c'est une question de datation de la... des rêveries, notamment de la première promenade. Il dit dans la première promenade, dans la suite de la première promenade, que dans l'état où il est le plus malheureux des hommes, s'il y a encore des hommes. Il est au fond de l'abîme, hein, donc vraiment au fond de l'abîme, mais il ajoute « mais heureux et tranquille comme Dieu même ». Il a atteint c'est un au-delà, si on veut, mais c'est en même temps un au-delà, dans cet abîme, il est heureux comme Dieu même. Il y a cette comparaison, c'est vraiment énorme, d'un rapport avec l'autre infini qu'est Dieu, de ce malheureux déchet de l'humanité à quoi on l'a réduit. Il y a donc une sorte de tranquillité formidable, tranquillité divine. Et il l'explique à ce moment-là, dans un paragraphe qui a fait couler beaucoup d'encre chez les commentateurs, « Voici de moi que je trouve que je suis enfin dans cet état de tranquillité totale. Je n'ai même plus d'espérance, délivré du souci même de l'espérance. Ce n'est pas un discours de désespéré, c'est quelqu'un qui n'a même plus à se soucier de l'avenir ni du passé et qui, comme Dieu, se trouve dans une sorte d'éternité du présent. Je suis sans me souvenir du passé, sans souci de l'avenir. Et comment est-ce que je me trouve dans cet état, dit-il, depuis 2 mois ? Eh bien, c'est là qu'il y a quelque chose d'énigmatique, où il dit, il y a donc 2 mois, je vous lis le passage, depuis longtemps je ne craignais plus rien, mais j'espérais encore, etc. Un événement aussi triste qu'imprévu vient d'effacer de mon cœur ce faible rayon d'espérance et m'a fait voir ma destinée, fixé à jamais son retour ici-bas. Dès lors, je me suis résigné sans réserve et j'ai retrouvé la paix. Un événement aussi triste qu'imprévu. Alors, tous les commentateurs, depuis très longtemps, se sont posé la question, quel est cet événement ? Puisque Rousseau n'en dit rien, il laisse ça tout à fait sous forme d'énigme. Alors, il y a plusieurs réponses, bien sûr, je ne vais pas les énumérer, c'est livré à plusieurs réponses qui ont toutes leur vraisemblance. Il y en a une, par exemple, qui renvoie à quelques années auparavant où il avait essayé de déposer le manuscrit de ses dialogues au sous-juge de Jean-Jacques sur l'autel de Notre-Dame à Paris, bon, pour le livrer aux mains de Dieu, et ça ne tombe pas dans les mains de ses ennemis, et puis voilà qu'au moment où il allait déposer son manuscrit sur le grand autel de Notre-Dame, il découvre effaré que la grille qui permet l'accès à l'autel de Notre-Dame est fermée. Il n'a pas d'explication. Et alors
ce moment-là, il est persuadé que Dieu lui-même est entré dans le complot. Bon, finalement, c'est un événement aussi triste qu'imprévu. Mais, pour différentes raisons, c'est difficile à retenir cette hypothèse, même si elle est très séduisante. D'autres hypothèses évoquent la mort récente d'un de ses protecteurs, le prince de Conti, etc. Je ne vais pas énumérer toutes les hypothèses. Évidemment, celle qui vient le plus immédiatement à l'esprit, c'est un événement qui lui arrive et qu'il a raconté dans la seconde promenade, et non pas dans la première, qui est ce fameux événement de l'accident de Ménilmontant. Alors, dans la deuxième promenade, il raconte en effet qu'un jour d'octobre 1776, il sort de Paris pour aller herboriser. Il monte sur les hauteurs de Ménilmontant, qui étaient couvertes de vignes à ce moment-là, bon, et il fait son tour de promenade. La promenade, c'est toujours, j'ouvre ici une parenthèse, la promenade, c'est un voyage, si l'on veut, mais c'est un voyage qui a toujours une structure circulaire. C'est-à-dire on revient à son point de retour, mais on revient à son point de retour au terme de la promenade avec quelques gains, quelques fleurs, notamment, dans sa poche. Et s'il appelle les textes des rêveries, première promenade, deuxième promenade, troisième promenade, c'est que chacune de ces promenades, entre guillemets, part d'un point, d'une question, qui lui vient à l'esprit, un peu surprise, il vient de tomber sur un article de journal, il a entendu quelque chose, et ça se met à travailler dans sa tête. Et toute la promenade, au sens littéraire du terme, est construite, en effet, selon une structure circulaire qui épouse la promenade des pieds, la promenade dans la tête qui va de pair avec la promenade des pieds, et puis on revient au point de départ, non seulement avec quelques fleurs dans les poches qu'on va pouvoir disséquer, mais avec un gain philosophique, on a appris quelque chose sur soi-même. Bien. Donc, il part pour la promenade, il rencontre quelques fleurs, il décrit son plaisir à découvrir des fleurs qu'il n'avait pas encore vues à cet endroit-là. Il est mélancolique devant le paysage d'automne qui annonce l'hiver, c'est-à-dire une mort un peu triste. Et puis, au terme de sa promenade, il redescend la rue de Ménilmontant, et puis là, il raconte que dans la descente, il voit arriver en face de lui un carrosse précédé d'un énorme chien danois qui arrive dans cette direction tout à l'heure, qui l'oblige, il se dit la seule chose à faire, c'est de sauter, de faire une sorte de saute-mouton. Donc il essaye de sauter, le chien passe au-dessous, mais il saute trop tôt ou mal, si bien qu'il se fiche par terre, il tombe sur la tête et il reste évanoui dans le coma, comme mort. Et voilà, c'est pas trop long là. Non mais voilà, c'est bien. non, il est mort, enfin il n'est pas tout à fait mort encore. Vous m'interrompez, ça va, non? Vous m'interrompez, voilà. Bon, quelle heure il est? Bon. Non, parce que je suis évidemment bavard. Voilà la description de son état, qui ressemble un peu à une description qu'on trouve chez Montaigne après une chute de cheval. La nuit s'avançait, c'est le soir. Il ouvre à peine les yeux. Non. J'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie. Et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Tout entier au moment présent, je ne me souvenais de rien. Je n'avais nulle notion distincte de mon individu. Pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Vous voyez, cet état qui est
un état tout à fait singulier, puisque c'est une sorte de renaissance après une mort. Je naissais à cet instant à la vie. Bon. Il est passé par là, en quelque sorte traversé le royaume des morts, et puis je naissais à cet instant à la vie. Et le « je » qui dit ça ne sait pas qui il est. Hein. C'est une sorte de pure sensation qui se diffuse à l'extérieur. Il n'est pas mort, il se remet peu à peu, il réussit d'ailleurs à se relever, à revenir chez lui, mais il est complètement amoché, il est totalement défiguré, il est tombé sur la tête, il a des bleus partout, il est sanglant d'ailleurs. Il ne s'en rend pas compte lui-même parce qu'il ne peut pas se voir dans un miroir, mais quand il ouvre la porte, sa femme Thérèse pose des hurlements, ne le reconnaît pas, et c'est à ce moment-là qu'il découvre qu'il est totalement défiguré. Mais ce qui est intéressant, donc, on pourrait dire que c'est cet événement aussi triste qu'imprévu auquel il fait allusion. Mais en réalité, cet événement n'est pas triste du tout, puisqu'il décrit une sorte de jouissance parfaite dans ce moment de coma. C'est pourquoi je propose une hypothèse, c'est que c'est quelques paragraphes plus loin dans la même promenade qu'on a la solution de cette question, et avec précisément quelque chose que nous apprend le manuscrit lui-même. C'est pour ça que l'intérêt de la lecture du manuscrit est intéressant. Il raconte que, après être remis quelques semaines plus tard, il apprend des choses étranges sur son coup. À nouveau, le souci, l'angoisse du complot renaît, l'inquiétude devient de plus en plus vive, et après plusieurs événements étranges sur lesquels je ne retiens pas, un jour, se promenant aux Tuileries, dans le jardin des Tuileries, il s'aperçoit sur le visage des gens qui le regardent quelque chose d'étrange. Regarde d'un drôle d'air. Il ne sait pas très bien ce qui se passe. Et puis, finalement, après avoir mené une enquête, il finit par apprendre qu'il est mort. Je veux dire que le journal, précisément un journal qui s'appelait, qui était très lu malgré son nom un peu provincial, Le Courrier d'Avignon, avait annoncé sa mort quelques jours plus tôt. Et c'est savoir comme quelque chose de sûr. Que donc tout le monde était persuadé que M. Rousseau était mort. Que donc, en voyant se balader aux Tuileries, on disait que c'est un mort vivant qui passe, qui est mort. Et au lieu de crier partout, non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort, bon, il accepte cette nouvelle. Non seulement on en parle aux Tuileries, mais le roi, la reine, tout le monde le dit. Là, puisque tout le monde le dit, ça doit être vrai, je suis mort. Et il apprend en même temps que, et à la nouvelle de sa mort, ses ennemis ont lancé une souscription pour publier tous ses écrits. Et alors là, il comprend tout. Il comprend tout, c'est-à-dire que ses ennemis attendaient sa mort pour publier naturellement ses écrits totalement défigurés et faire en sorte que cette première mort annoncée par le journal s'achève sur une mort éternelle à travers la publication de l'ouvrage des totalement défigurés. C'est donc, à mon avis, cet événement aussi triste que prévu qui fait qu'il s'installe
succession chronologique dans l'ordre de l'écriture, c'est beaucoup plus composite que cela, et la première promenade fonctionne un peu comme une introduction qu'on écrit à la fin et qui définit un programme, donc ensuite le texte. Alors, je reviens maintenant sur le manuscrit, excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais il explique ceci, que son accident a été raconté dans le public, son accident qui l'a défiguré, a été raconté dans le public, évidemment composé de ses persécuteurs et de ses ennemis, pour être lui-même défiguré. C'est-à-dire, l'histoire de sa défiguration est elle-même une histoire défigurée par ses ennemis. Pour, au fond, le métamorphoser en ce qui n'est pas. Et voilà le texte où il le dit. Vous voyez, c'est encore, on est dans le premier carnet, tout est calligraphié de manière très claire, mais avec des hésitations, des lapsus, des rien du tout, qui sont très révélateurs, disons, quand on observe le détail. Voilà très fidèlement l'histoire de mon accident. En peu de jours, cette histoire se répandit dans Paris, tellement changée et défigurée, histoire défigurée, qu'il était impossible d'y rien reconnaître. De même que lui est devenu méconnaissable aux yeux de sa femme, de même son histoire, il est impossible de reconnaître la vérité à travers les mensonges qui circulent. J'aurais dû compter d'avance sur cette... C'est là qu'il y a un mot qui arrête l'œil du lecteur. Sur cette méta, alors regardez de près, vous avez ici, merci François, vous avez ici méta, vous avez un P, qui a été ensuite corrigé rapidement par un M, donc on a une sorte de combinaison de deux lettres, un P et un M, métamorphose. Donc, on lit éventuellement le dernier état de choses, c'est métamorphose. Mais tout se passe comme si le premier jet de la plume avait été métaphore. Et comme si dans cette métamorphose de sa défiguration physique, dans une métamorphose figurée de son histoire, il y avait eu une métaphore, très exactement un glissement métaphorique, qui, faisant passer du sens propre au sens figuré, plus exactement défiguré, amenait à la composition de ce monstre lexical. Bon, c'est quelque chose qui peut arrêter, puis on peut dire après tout, bon, tout le monde fait ce genre de lapsus, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Non, mais bien sûr. Mais si on connaît un petit peu la voie d'en dessous et qu'on suit les fils et les rapports avec d'autres œuvres, on est conduit à une scène d'une comédie qui est tout à fait passionnante, une comédie de jeunesse de Rousseau qui s'appelle Narcisse ou l'amant de lui-même. Narcisse ou l'amant de lui-même, vous voyez qu'on n'est pas tellement loin du thème de je n'ai d'autre frère, d'ami, de prochain que moi-même. Ce rapport spéculaire, ce rapport au miroir à soi-même. Narcisse ou l'amant de lui-même, où il y a cette phrase, merci François, où c'est une sorte très, très curieuse, un jeune homme appelé Valère qui est très fier de sa petite personne, très attifé, qui se fait sa toilette devant son miroir. Bon, ça exaspère tellement sa sœur de voir son frère à ce point efféminé, c'est le type du petit maître du XVIIIe siècle, qu'elle veut lui jouer un tour et elle met sur sa toilette, là, son propre portrait, le portrait de son frère, mais habillé en femme, avec des cheveux. Le jeune Valère vient le matin pour faire sa toilette
lui-même en femme, sans savoir que c'est lui-même. Et il se précipite dans Paris pour chercher l'original de ce portrait pour l'épouser. Total, bien sûr. Et son valet, qui s'appelle Frontin, est parfaitement plus grand. Et bon, il considère que son maître bon, est un petit peu dérangé. Et il le suit pour après. Et il vient faire son rapport à la sœur qui elle-même s'inquiète un peu que sa blague soit si prise tellement au sérieux par le frère. Donc la sœur s'appelle Lucin. Frontin, qui comme tout valet de comédie, a tendance à un petit peu abuser sur la bouteille, Lucin va l'interroger. Lucin, Frontin, où est ton maître? Frontin, il se cherche. Que me reste-t-il à chercher? Moi-même, que suis-je? Voilà ce qu'il me reste à chercher. Il se cherche. Lucin, comment il se cherche? Frontin, oui, il se cherche pour s'épouser. Lucin, qui le croit ivre, qu'est-ce que c'est que ce gars qui maintient? Je t'en prie, rappelle un peu ton bon sens. Ton bon sens. Je suis ressenti. Rappelle un peu ton bon sens. Tâche de te faire entendre. Frontin, pardi, rien n'est plus aisé. Tenez, c'est un portrait métamore, non, métaphore, oui, métaphorisé. C'est mon maître, c'est une fille, vous avez fait un certain mélange. Eh bien, peut-on parler plus clairement? Non, ce n'est pas possible. Et on peut parler très clairement par le biais de mondes obscurs. Freud, là-dessus, nous a enseigné que c'est tout à fait vérifiable. Donc non, ce n'est pas possible. Il n'y a que mon maître qui ne comprenne rien car il est devenu amoureux de sa ressemblance. Quoi, sans se reconnaître, oui, c'est bien ce qu'il y a là d'extraordinaire. Je ne pousse pas plus loin le fil des associations, on pourrait le pousser beaucoup plus loin, bien sûr. Mais vous voyez comment un tout petit détail permet, d'une certaine manière, de relire Rousseau sous un jour qui est imprévu. Et chez un auteur qui est tellement, tellement travaillé, mûle, labouré, l'imprévu, la surprise, est évidemment précieux. Je te laisse la parole. Un dernier exemple pour conclure. Il y en a beaucoup d'autres exemples. Oui, il y en a environ une cinquantaine, mais nous nous contenterons de trois. Vous avez vu les deux premiers. Voici le troisième qui pose un problème d'une autre nature. Il s'agit du début de la sixième promenade, celle-là même dont tu parlais à l'instant, et où Rousseau se retrouve à la barrière d'enfer. Alors, la lecture, encore une fois, en est aisée, puisque nous sommes dans le premier carnet. Sixième promenade, nous n'avons guère de mouvement machinal dont nous ne pussions trouver la cause dans notre cœur si nous savions bien l'y chercher. Hier, passant sur le nouveau boulevard pour aller herboriser le long de la Bièvre du côté de Gentilly, je fis le crochet à droite en approchant de la barrière d'enfer et m'écartant dans la campagne, j'allais par la route de Fontainebleau gagner les hauteurs qui bordent cette petite rivière. Alors là, j'appelle votre sens de l'observation, nous allons vous faire travailler, nous entrons dans la séance de travaux pratiques. Quelles sont les remarques qui vous semblent utiles, qu'il vous semble utile de faire sur la manière dont ce début de sixième promenade est rédigé? Il y a l'ajout de ce que nous avons bien échangé. Alors il y a l'ajout... En deuxième ligne. Alors est-ce que c'est un ajout qui se limite à la deuxième ligne en fait? Eh bien, oui, c'est-à-dire qu'en fait, mais ça commence même ici. Le manuscrit portait sixième promenade et commençait par hier passant sur le nouveau boulevard, ce qui est d'ailleurs en fait tout à fait conforme à ce qui se passe dans d'autres promenades. On raconte effectivement une promenade, on raconte quelque chose. Et là, il a rajouté finalement ces deux lignes, nous n'avons guère de mouvement machinal dont nous puissions trouver la cause dans notre cœur, etc. Après coup. Et doublement après coup, puisque je vous le rappelle, cet état de manuscrit est un deuxième, voire troisième état, donc sur le brouillon original, aucune chance qu'on ait eu cette phrase originale. Or, à quoi s'assimile cette phrase introductive?
quoi s'assimile-t-elle? Tout parle de soi, bien sûr. Oui, mais plus simplement, c'est... Vous ne pouvez pas penser à quelque chose? Madame, je vous avais oublié. Ça a l'air d'être un commentaire après tout. Ce qui devrait se retrouver à la fin, se retrouve au début. Ah, vous y êtes presque. C'est une réflexion personnelle. Oui, une réflexion personnelle. Un théorème, une généralité, une morale, un apophthegme, c'est exactement ça. Hein. Voilà l'enseignement qu'il convient de tirer de cette promenade. Alors en général, on peut le mettre à la fin. C'est un petit peu. Il joue les La Fontaine, finalement. Hein. On attend la fable de la morale. La morale de la fable, pardon. Ça, c'est je suis défiguré moi-même. La morale de la fable, eh bien là, c'est exactement cela. Alors, il l'a mise au début. Il l'a mise au début. Et là, ça nous pose quelques questions. D'abord, je vous rappelle qu'il écrit, au début de ses promenades, qu'il n'écrit que pour lui-même et qu'il sera son seul lecteur. Alors, on peut quand même se poser des questions à partir du moment où cette promenade a besoin d'être introduite par cette morale, par cet apophthegme, par cette sorte de conclusion initiale qui vise à lui donner un sens dans tous les sens du terme. Et puis cela nous fait également penser que la réécriture de ce qui était sans doute comparable au brouillon des 8e, 9e et 10e promenades sur un cahier avec de nouveaux dérajouts, etc., pourrait faire penser qu'après tout, ces promenades, loin d'être destinées à être consommées, pardonnez-moi ce terme horrible, par lui-même, était destiné, avait une autre destination. Et enfin, et là je reprends ce qu'Alain disait tout à l'heure, la première promenade ne doit pas être conçue comme ayant été écrite dans l'ordre, dans un ordre chronologique. Elle est faite pour introduire en quelque sorte les promenades qui la suivent, et on peut donc penser qu'elle a été écrite après coup. Elle intervient donc dans le recueil de la même manière que cette phrase initiale intervient dans le récit de la 6e promenade. Il y a donc, si vous voulez, possibilité de... Enfin, on pourrait songer qu'il y a là comme une tentative de composition d'un véritable recueil, et non pas simplement d'une écriture tout à fait libre, désordonnée, anarchique, ou au fil de la plume ou des promenades. Il y a là quelque chose de réellement construit, qui est intéressant à étudier dans ce cas de figure. Et dernière chose, on peut alors se demander quelle est la fin, non pas la fin, quelle est la finalité, mais ce recueil des 7 premières promenades n'était-il pas le recueil initial qui était destiné à une lecture autre que lui-même? C'est-à-dire que les 8e, 9e et 10e qui finalement arrivent à l'état de brouillon sur le manuscrit 79, était-elle prévue au départ, ou bien y a-t-il eu reprise d'écriture? Voilà des questions qui peuvent se poser et auxquelles il s'agirait d'apporter une tentative de réponse. Nous en avons terminé des quelques exemples. Un mot pour conclure sur le livre lui-même, puisqu'il s'agit quand même de le présenter. Il est un peu gros, il fait 916 pages. Pour un texte qui originellement en fait 60. Donc vous imaginez quand la Nouvelle Héloïse effectivement sera publiée, ou quand Martin Rueff publiera les 1000, ce que ça va donner. Vous avez d'abord une introduction d'Alain Grand-Richard, donc, qui présente les rêveries, puis quelques introductions techniques sur le mode de composition des rêveries, sur la présentation des manuscrits, une petite esquisse de réception. Et ensuite, vous avez les promenades, et l'affaire se présente de la manière suivante. Sur la page de droite, nous avons mis le texte de Rousseau, puisque lui-même écrit sur les carnets 78-79 sur les pages de droite. Et sur les pages de gauche, nous avons mis l'intégralité des variantes, appelées donc par des appels de variantes V1, V2, V3, etc. C'est un petit peu V2, ça évoque de mauvais souvenirs, mais bon. V2, c'est la guerre. Ben oui, c'est la guerre. Hein, enfin, et donc, par promenade, vous avez un certain nombre de variantes. En général, il y en a 300 à 350 pour les 3 dernières promenades et 80 à 100 pour les 7 premières. Le jeu consiste à faire en sorte que la variante soit mise en face du texte, de telle sorte qu'elle soit immédiatement convocable.
Par ailleurs, le texte a été reproduit dans l'orthographe et la ponctuation intégralement respectée du manuscrit, ce qui en rend peut-être la lecture quelque peu malaisée, car vous savez que... C'est du français, disons. C'est non pas du vieux français, mais c'est une orthographe extrêmement... Comment pourrait-on la qualifier ? Malléable. Malléable, oui, c'est... Voilà, un beau mot. Malléable. C'est très très bien, ça je le replacerai, malléable, hein, effectivement. Donc nous avons ensuite les notes explicatives d'Alain qui vont à la suite et qui sont reprises avec la séquence qu'elles sont chargées de commenter, de telle sorte qu'on puisse les lire indépendamment même du texte ou en référence au texte, comme vous le souhaitez. Une introduction aux cartes à jouer, puis les cartes à jouer. Vous savez qu'il y a un ensemble de cartes à jouer qui ont accompagné le volume des rêveries du promeneur solitaire que nous avons édité, donc avec là aussi l'intégralité des variantes, et quelques exercices de datation, plus la nouvelle carte à jouer qui avait été découverte dans les fonds de la bibliothèque de Genève par Gauthier Ambrus, alors qu'il cherchait tout à fait autre chose. Vous savez, les découvertes se font comme ça. C'est une carte dont on connaissait l'existence, donc là nous l'avons redéchiffrée, puisque tu l'avais d'abord publiée dans le catalogue de l'exposition « Vivant ou mort, il les inquiétera toujours ». Et là, nous avons réussi à la déchiffrer, à l'exception en fait de deux mots. S'il y a des candidats parmi vous, ils sont les bienvenus, car ces deux mots, nous n'avons toujours pas réussi à les découvrir. Ensuite, vous avez un important dossier « Lettres et documents ». Toutes les lettres et les documents qui accompagnent la composition des rêveries du promeneur solitaire, c'est-à-dire les lettres des visiteurs qu'il recevait à l'époque rue Plâtrière, les quelques documents qui ont accompagné également la réception des rêveries, et puis enfin un glossaire, un lexique, plus exactement des termes employés dans les rêveries, des rêveries qui peuvent avoir leur importance. Il y a quelques faux amis dont il faut éviter évidemment, auxquels il faut faire attention. Puis les éléments bibliographiques et des index, notamment index des œuvres, index des titres, index des noms et index des personnes anonymes de tous ceux qui apparaissent dans les rêveries et qui peuvent apparaître également, si tout le jeu, dans toute l'œuvre de Rousseau, puisque les rêveries étant le dernier texte de Rousseau, le texte conclusif, on y retrouve, par une lecture rétroactive qu'Alain a amplement développée dans son introduction, l'ensemble de l'œuvre depuis les premiers textes philosophiques jusqu'au dialogue. Voilà donc cette chose qui peut donc facilement, puisque ça fait un kilo de caler un meuble, si vous en avez, une fois vous en avez achevé la lecture. D'assommer un collègue. Ça peut permettre d'assommer un collègue aussi, effectivement. Nous n'avons pas encore laisser de trace. Sans laisser de temps, et puis alors avec la chute de Ménilmontant, c'est parfait. Il est évident que c'est une édition qui est destinée à être une édition de référence, mais ce n'est pas une édition, je dirais, de consommation courante, voilà, hein, parce que, mais il faut s'y référer simplement pour chercher un événement précis. Voilà. J'ai pas besoin de ça, moi je suis pas assez ludique. Non, mais vous savez qu'il existe, et comme ça vous pouvez venir en bibliothèque par exemple. Mais exactement. Donc là, vous avez cette possibilité. Alors, la somme n'est pas modique. La somme n'est pas modique. J'ose à peine vous dire le prix qui nous a nous-mêmes scandalisés, puisqu'il a été... le prix est en euros, puisque ça a été publié à Paris, donc. Et il est de 79 euros, ce qui est considérable. Non, mais l'euro est en train de s'effondrer. Par rapport au franc suisse. Mais il est en train de... L'éditeur est en train... Oui, c'est vrai, l'euro est en train de s'effondrer. Le franc suisse est plus fort que l'euro maintenant. J'ai vu ça. Non, non, il a dépassé. C'est-à-dire que nous ne sommes même plus à la parité. Depuis hier, nous avons dépassé. C'est-à-dire que 1 euro fait 99 centimes. Enfin, c'est. Mais une version de poche va bientôt paraître, qui sera exactement semblable et qui coûtera, elle, 30 francs. Donc c'est quand même plus raisonnable. Voilà, si tu as quelque chose à rajouter. Moi, j'aurais quelque chose à rajouter, mais tout à fait à la fin, et qui ne concerne pas, ça concerne Rousseau, mais ça ne concerne pas le sujet qui nous occupe. Mais, bien sûr. Moi, j'avais une question, si vous permettez. Vous n'avez pas parlé du manuscrit. Est-ce qu'il fournit des éléments de chronologie, de composition ? Il ne fournit pas d'éléments décisifs. Il ne fournit pas d'éléments décisifs. Il permet de répondre à un certain nombre d'interrogations
notamment sur tous les noms qui sont biffés. Voilà. Donc il permet de s'interroger avec beaucoup d'intérêt sur la manière dont le manuscrit a été lu par le marquis de Girardin d'abord et par Dupérou ensuite. Mais en revanche, il n'apporte pas d'éléments décisifs. Non, malheureusement pas. C'est un petit peu une déception. Moi aussi, j'attendais, si vous voulez, je vous dire, voilà. Mais non, hein, on a bien regardé, il n'y a rien de décisif. Non, il permet en effet d'essayer d'élucider un problème qu'on trouve dans le manuscrit, dans les carnets, qui sont certains passages marqués au crayon rouge, enfin entre crochets rouges. Oui. Et on ne sait pas qui les a... on n'entre pas là-dedans, mais en même temps, oui, ce que tu dis... Et c'est là que tu as réussi à lire, en comparant le sang, donc la copie du secrétaire et les manuscrits originaux, à lire le « à plein ventre », puisqu'elle oui. était la fille de Madame Vacassin, était enceinte, celle qui lui dit « mais vous avez abandonné vos enfants, etc., vous n'avez jamais eu d'enfants », et elle était enceinte à plein ventre, elle était grosse à plein ventre, dis-nous. Le « à plein ventre » était biffé et n'a pas été repris par les différents éditeurs des rêveries, mais c'est assez cruel. Voilà. Merci. Sinon, je vous propose de prendre le temps. Alors, je voulais juste. Alors là, je ne sais pas si vous m'autorisez à faire cette information, vous allez voir. Je vous explique la situation en deux mots. François Jacob et moi-même, à la Société Jean-Jacques Rousseau, avons reçu, il y a 2 ans, de la part du représentant d'une ONG au Bénin, pas à Cotonou, mais dans une ville du Bénin qui s'appelle Bohicon, une information disant qu'ils admiraient beaucoup Jean-Jacques Rousseau. C'était au moment de l'anniversaire, de la naissance, en 2002. Et qu'ils allaient organiser une fête, etc. On leur avait répondu qu'on était très heureux, etc. Et bon, je passe, mais la ville, l'État de Genève, contactée par la Société Jean-Jacques Rousseau, avait très généreusement fait parvenir à cette ONG une subvention sous la forme de mini-crédit, enfin bon, qui a permis à cette ONG de construire une bibliothèque. Elle a été construite il y a 1 an. Nous avons reçu les photos accompagnées de remerciements de ces gens de Bohicon et qui laissaient entendre que quand même cette bibliothèque était magnifique, mais il n'y avait pas un bouquin à mettre dedans. Alors, nous leur avons répondu, l'un et l'autre, je suis actuellement en contact avec eux en disant que j'allais faire mon possible pour essayer de récolter ce qu'on pouvait trouver comme livre, vraiment livre de poche, même usagé, etc., des grandes œuvres de Rousseau. Voilà. Et qu'on trouverait le moyen de leur faire parvenir, je ne sais pas comment, mais qu'on allait essayer de rassembler ça. Donc, ce que je dis, vous pouvez le faire circuler autour de vous, c'est si vous avez dans vos rayons, dans vos caves, etc., n'importe quoi de Rousseau ou sur Jean-Jacques Rousseau, est-ce que tu accepterais de les entreposer à l'Institut Voltaire, ou ouais, il faudrait trouver un autre lieu, ça pourrait être ici. Voilà. Dès que vous l'avez, bon, ça peut arriver. Moi-même à Paris, j'ai un peu fait circuler l'information, donc on trouve toujours des éditions Garnier Flammarion ou des trucs comme ça. Ce serait vraiment un grand service. Je vous enverrai le courrier qui m'est envoyé, comme ça vous serez au courant. Si des gens veulent amener des livres ici, on fera volontiers le voilà. En tout cas, en leur nom, je vous remercie. Je vous remercie d'avance. Voilà. Alors juste pour oui. compléter ce que dit Anna, nous avons demandé quand même, lorsque nous avons été contactés par ces gens de Bohicon au Bénin, nous avons demandé à la représentante de l'ambassade suisse de se rendre sur place. Donc on a toutes les garanties que ce qu'on leur avait envoyé était bien parvenu, parce qu'il y a malheureusement quelques intermédiaires indélicats toujours au Bénin.
Et donc la bibliothèque a bien été construite, l'école a bien été faite, les gamins sont en attente, de recevoir un enseignement fondé sur l'étude du français avec Rousseau au cœur de ses... Je l'ai eu au téléphone, Madame Bouraïma, voilà. Charmante, qui m'a dit que malheureusement, ils ne pouvaient plus rien faire là-bas parce que leur crédit, enfin, pour le transport, c'était... mais elle m'a confirmé que, en fait, ça existait, etc. Mais pourquoi est-ce que la bibliothèque ne veut pas savoir qu'elle a fait ça et ne fait pas appel à toute la population? Je suis sûre qu'en très peu de temps, on arriverait à avoir un nombre, avec l'université, les étudiants, les personnes qui lisent, elle arriverait à rassembler ça en même temps. Ah, mais moi, je ne demande pas mieux, simplement. Elle pourrait aller fouiller aussi chez les compagnons d'Emmaüs. Ils ont plein de bouquins. Oui, mais il ne faut pas priver le public français de cet évangile qui est l'œuvre de Rousseau. Les compagnons d'Emmaüs, je suis d'accord, ils doivent avoir des œuvres de Rousseau. Ils sont aussi au Bénin. Ah, ils sont au Bénin. Bien sûr. Vous en êtes sûr? Ils sont partout, oui, je suis sûr. J'ai un ami qui y est allé, mon compagnon. Ah bon, bah très bien. Alors, c'est une excellente indication. C'est une excellente indication, oui. Moi, je vous propose de continuer la discussion autour d'un verre. Un jus de fruits ou un peu de mousseux pour cette date anniversaire. Et si vous êtes là,